Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'Info Télé. Celui-ci est un numéro hors série dans les coulisses d'une émission de télévision. Et cette fois, c'est dans les coulisses des Reines du Shopping, l'émission phare d'M6. On en parle juste après le générique. Alors, c'est parti, générique. Avez-vous déjà rêvé de participer à une émission de télévision, peut-être dans les Reines ou Rois du Shopping? Aujourd'hui, je vous révèle les coulisses de cette émission phare des fins d'après-midi d'M6. Plusieurs témoignages dans des vidéos YouTube ont été publiés ces dernières années. Aujourd'hui, je vous regroupe toutes les idées dans cette vidéo. La prise en charge des candidates. Avant, pendant et après le tournage, tout est pris en charge par la production. Les billets de train pour celles qui n'habitent pas à Paris sont payés, tout comme l'hôtel pour la semaine de tournage, mais aussi les repas qui sont pris dans des petits restaurants de Paris, qui ne sont malgré tout, toujours selon cette candidate, pas gastronomiques, mais elle ne s'en plaint pas dans sa vidéo non plus YouTube, et c'est confirmé par d'autres candidates qui ont également parlé dans d'autres vidéos YouTube. Durant les tournages, les commentaires. Cette étape est assez intéressante, en effet, les candidates révèlent que le tournage se fait dans le showroom, dans les cabines différentes, mais elles ne sont pas toutes seules. Leur nounou, un membre de la production qui veille sur elles, et un caméraman sont présents avec elles. Elles rajoutent que l'on ne souffle aucune critique, on leur pose uniquement des questions sur le vêtement, essayé par sur la femme qui est en train de faire son shopping, la couleur, la forme, etc. Mais le plus intéressant, c'est que les participantes n'ont pas d'écran pour visionner le shopping, uniquement des photos qui sont prises sur le téléphone de la fameuse nounou et qui sont prises lors du tournage du shopping. Contrairement à Christina Cordula, qui elle visionne l'épisode plus ou moins monté, comme diffusé à l'antenne, en tout cas un montage des essayages et des meilleurs moments des candidates. Les tournages du shopping. Toujours selon ces candidates, les tournages du shopping débutent vers 7h du matin et se terminent à plus de 23h le soir, chaque jour de la semaine. Donc les tournages ne durent pas vraiment 3 heures, comme ce que l'on nous dit bien en diffusion. La jeune femme révèle que la production ne décompte uniquement le temps de recherche et le retour caméra. Les passages dans la cabine d'essayage ne sont pas décomptés. Par contre, dès qu'elles en sortent, bim, le chronomètre redémarre. Par contre, les plans sur les vêtements qui sont faits en diffusion sont quant à eux décomptés par la production sur les 3 heures. Autre fait, comment les candidates se repèrent-elles dans Paris et connaissent-elles les boutiques? Eh bien, c'est simple, le van noir que l'on voit au début et à la fin de l'émission les emmène à quelques mètres des boutiques, puis la production lui indique la boutique dans laquelle elle doit aller. Les chronomètres se lancent à la sortie du van et la candidate court jusqu'à la boutique. Or, elles ne courent pas dans toute la journée dans tout Paris, elles sont quand même emmenées en van à quelques mètres de la boutique. Les candidats révèlent qu'il y a bien 4 personnes sur le tournage, le chauffeur du van donc, un journaliste qui pose des questions et récupère les avis des candidates. Il fait également les photos de la tenue pour les autres candidates restées au showroom. Un caméraman et un preneur de son sont également présents. C'est pour cela qu'on a l'impression que les candidates parlent à quelqu'un dans certains épisodes. Et enfin, Christina Cordula sur l'émission. Les candidates révèlent que l'animatrice connue pour son n'est pas présente auprès des candidates, seulement le vendredi à l'annonce des résultats. La Brésilienne annonce la gagnante, prend quelques photos avec les candidates et s'en va, pas beaucoup plus, explique la jeune femme. Autre question, la mannequin choisit-elle les thèmes hebdomadaires? Selon Télé 2 Semaines, la production réalise une liste en fonction de la saison et de la mode qui est en cours. Christina Cordula sélectionne ensuite les thèmes qui l'intéressent le plus et elle peut également proposer des thèmes qui lui tiennent à cœur. Voilà donc pour les secrets des coulisses des Reines du Shopping dans ce numéro hors série de l'Info Télé. Si vous avez plu, n'hésitez pas à réagir en tout cas à tout ce que je vous ai dit en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et même à vous abonner si ça vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!